guys, il est 6h du matin, je vais à Gatineau aujourd'hui. J'ai super hâte, c'est la première fois que je vais à Gatineau. Je vais normalement faire une semaine ou deux, je suis pas sûre. Mais en tout cas, je vais filmer un peu ce voyage. C'est où? Guys, je suis arrivée à la gare. Ok guys, je dois prendre celui de Gatineau, donc celui de midi, non, 9h. Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais, voilà. Celui de 9h, Ottawa, Gatineau. Du coup, c'est la porte 9. Ok, j'y vais. C'est bon, guys, j'ai trouvé. Maintenant, je dois attendre 9h. Guys, à partir de ce moment, j'étais trop contente d'être dans le bus parce qu'il faut savoir qu'avant même d'être dans le bus, j'ai fait plus de 1 heure de trajet en transport en commun. C'était vraiment trop fatigant. Dans le bus, je lisais ou tout simplement j'écoutais de la musique pour m'occuper le maximum possible parce que juste regarder le paysage, ça me suffisait pas, comme vous pouvez le voir. Donc en ce moment, je suis juste en train de m'ambiancer avec ma musique comme jamais. En ce moment, je viens d'arriver à Ottawa. J'étais vraiment contente parce que Ottawa, c'est super proche de Gatineau, donc ma destination finale. Et est-ce que je vous ai dit que je séjournais chez des amis d'enfance? En fait, leurs parents sont amis avec les miens depuis genre des lustres. Et du coup, avant même qu'on soit nés, ils étaient déjà amis. Donc, dans les prochaines vidéos, ils me montrent juste leur maison, etc. Parce que depuis que je suis à Montréal, j'ai décidé d'aller les voir, mais j'ai jamais trouvé le temps. Du coup là c'est vraiment l'occasion et genre j'étais vraiment trop contente. Place. Hello. Attends, je tourne. Je vais Nino. Bien. Alors. Là, on est parti faire les courses parce qu'on a fait une petite liste des choses que je mangeais dans la semaine vu que j'allais vraiment passer 2-3 semaines ici. Donc, on est sorti pour acheter toutes ces affaires-là. Et franchement, ça me permettait aussi de découvrir Gatineau, en tout cas les boutiques, les magasins de Gatineau par même occasion. Et franchement, c'était bien.
En fait, en ce moment, j'étais tellement nostalgique parce que je chantais dans cette chorale quand j'étais au Togo avec ma sœur. On chantait, c'était une chorale pour enfants. Et ça m'a rappelé vraiment énormément de souvenirs parce que toutes ces chansons, je les ai chantées avec les autres enfants. Et du coup, l'écouter dans la voiture, ça m'a vraiment fait quelque chose. Parce que ça fait super longtemps que j'ai pas écouté ça et je me suis dit, franchement, la vie d'artiste, c'était... Voilà, depuis l'enfance en fait. Coucou guys, là je suis arrivée à un barbecue. Il y a une nouvelle famille que je vais rencontrer. J'ai trop hâte. Ok guys, je viens de rentrer, il est 22h, je suis super fatiguée, j'espère que le vlog vous a plu, on se retrouve à la prochaine. Non. Un autre truc. Bye. Attends. Bye bye, bonne nuit.